C'est vous, pêcheur? Oui, j'attends dehors. Votre chauffeur est là. Où est ma femme? Dans la salle de bain. Je veux prendre mon petit déjeuner avec elle. Elle vous prie de l'excuser. Une fois de plus, des migraines? Oui, elle a très mal dormi la nuit dernière. Il y a des raisons précises à cela? Je le lui ai demandé, mais elle m'a dit que ça lui arrivait souvent. Elle a des crises d'insomnie et de violentes migraines. Eh bien, envoyez-la chez son médecin. Je veux la voir chaque matin avant de partir. Et qu'elle essaie de s'en souvenir. Je lui ai dit, votre mari va vous attendre. Ah, te voilà. Excuse-moi. Aurais-tu mal dormi? Oui, j'avais très mal à la tête. Tu es pourtant en bonne santé, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Tu n'as donc aucune raison d'avoir mal à la tête. Me cacherais-tu quelque chose? Non, non. Me permets-tu de te demander si tout va bien? Oui, bien entendu. Alors, je te le demande. Te sens-tu bien ici, dans cette maison? À vivre auprès de moi? Oui. Je serais étonné qu'il en soit autrement. Je refuserai absolument de le comprendre. Que fais-tu aujourd'hui? Je voudrais aller faire quelques courses et ensuite j'irai à la bibliothèque. Je remarque que tu lis beaucoup ces temps-ci. J'aimerais bien voir les livres que tu lis. Ce sont tous des auteurs connus. Monterland, Camus. Ce ne sont pas eux qui te donnent mal à la tête, j'espère. Je finirai par connaître la cause de tes nuits blanches. Où est-ce que vous vous trouvez? Devant la maison. Votre femme n'est pas encore sortie. Elle ne va pas tarder, elle se rend à la bibliothèque. Vous savez où ça se trouve? Oui, oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Vos rapports ne me parlent pas de ce qui m'intéresse. J'espère que je n'ai pas choisi un bon à rien. À plus tard. Il m'a encore suivi jusqu'ici. Oui, je sais. Je l'ai reconnu. Que dois-je faire maintenant? Tu restes assis, je me lève et je sors. Et on s'en tient à notre programme. J'ai peur. Si tu le redis encore, je me lève, je viens vers toi, je te prends dans mes bras. J'y vais. Thank you.
qu'il y a? Il est encore là. Tu es sûre? Mais ne le regarde pas. C'est bien lui. J'étais pourtant sûre. Sûre de l'avoir semé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller lui demander ce qu'il nous veut exactement. Est-ce que je peux m'asseoir auprès de vous un instant? Allez-y, je vous en prie. Vous êtes photographe? Non, je ne suis pas photographe. Mais vous nous avez photographiés. Oui, je vous ai photographié. À l'arrivée du bateau, quand il a accosté, quand la dame est descendue, quand vous l'avez embrassée, et quand vous êtes arrivé ici. Et je crois que ce sont les plus belles photos que j'ai faites de vous. Pour qui faites-vous toutes ces photos? Pour le mari de la dame. Je crois maintenant que vous pouvez deviner qui je suis. Vous êtes détective privé, n'est-ce pas? Oui. Ce monsieur veut savoir avec qui sa femme le trompe. Et le sait-il? Non. Je n'ai encore rien dit. Je n'y comprends rien. Vous êtes derrière nous depuis des jours. Oui, c'est exact. Et je sais très exactement ce que vous avez fait. Vous n'étiez pas très prudent. Vous avez pris des photos et vous avez préparé un rapport. Oui. Je vais vous poser une question. Pourrais-je vous donner plus d'argent que lui? Non, je ne le crois pas, non. Vous n'êtes pas assez riche pour ça. Qu'attendez-vous pour envoyer les photos et le rapport? Ce monsieur ne me plaît pas du tout. Contrairement à vous. Nous vous plaisons? Oui. Vous me plaisez. Vous savez, il s'est passé quelque chose de bizarre. Ma conscience professionnelle a disparu. En fait, je n'en ai plus aucune. J'ai ressenti des sentiments qu'on ne devrait pas éprouver dans ce métier. Et je me suis dit, pourquoi rendre ces gens malheureux? Ils sont si bien ensemble. Ils s'aiment. Ils sont heureux. Alors j'ai pris la décision de m'offrir le luxe de me taire. Je vous l'ai dit, mon client ne me plaît pas du tout. Je vous remercie. Mais je vous en supplie, essayez de rester discret. Je ne voudrais pas regretter d'avoir gardé le silence. Bien, à plus tard. Ah oui, au fait, vous saluerez votre charmante épouse de ma part. Je l'ai vue au tennis il y a quelques jours. Ah, vous vous trompez, ma femme ne joue pas au tennis. Non, c'était pas elle qui jouait, mais le jeune homme qui l'accompagnait. C'était quand? Quand? Bon, il y a 3 jours. Je la saluerai de votre part. Votre mari est rentré. Il vous attend. Déjà de retour? Oui, je suis rentré plus tôt. Je te dérange? Absolument pas. J'ai pourtant la vague impression de te déranger. Non, voyons, pourquoi dis-tu ça? Parce qu'on dirait que tu as du mal à respirer. Tu me regardes et tu trembles. Pourquoi? Tu dois te faire des idées. Où étais-tu aujourd'hui? Je veux savoir ce que tu as fait. Heure après heure. Pour quelle raison? Je m'intéresse à la vie que tu mènes en dehors de cette maison. J'étais à la bibliothèque. Oui, je sais que tu aimes lire. Montre-les-moi. Les livres? Oui. Je veux les voir. Allons dans ta chambre. Quelles sont tes lectures? Monterland. Camus. Journaux intimes. Hein?
journaux intimes. Je crois que toi aussi, tu devrais écrire ton journal intime. Je suis sûr que j'aimerais le lire. Je te fais une proposition. Tu restes ici, tu t'assois à ce bureau et tu rédiges ton journal intime. Les derniers 8 jours devraient me suffire. Il faudra que tu parles d'un homme qui joue au tennis et de tes rapports avec lui. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux me cacher quelque chose? Est-ce que tu le crois vraiment? Bien. Assieds-toi et écris ton histoire. Celle de cet homme qui joue au tennis. Et je veux que tu dises très exactement ce qu'il est pour toi. Tu vas te rendre compte à quel point je prends tout ça au sérieux. Je suis blessé à la main. Donnez-moi un pansement. Occupez-vous de ma femme. Prenez toute la boîte, vous en aurez besoin. Ma femme a un amant. C'est à peine croyable. Est-ce que je peux entrer? Non, je développe. Téléphone pour toi. J'arrive. Qui est-ce? Monsieur Rhodes. Ouais, Lipper. J'attends votre rapport. Un instant, je vais chercher mes notes. Je vous attends chez moi à 20h avec votre rapport. Il veut que je vienne chez lui avec mon rapport. Ça veut dire que c'est la fin de l'enquête, puisqu'elle sera chez elle et qu'elle va me voir. Il a dû se passer quelque chose, non? Ben oui, sinon il ne me ferait pas venir. Il y a eu du nouveau aujourd'hui? Non, justement. Ils sont allés au bord du lac. J'ai pris quelques photos. Tu veux les voir? Mm-hmm. Je vais les faire sécher. Regarde celle-là. Est-ce que tu vas les lui montrer? Bien sûr que non. Pour mon rapport, je vais inventer une balade en ville avec une halte dans un café. Je t'ai dit pourquoi je faisais ça. Dis-le-moi encore. C'est une histoire d'amour. Ça ressemble à un poème. Parle-moi d'eux. Voilà. J'ai vu quelque chose de beau. De réellement beau. Deux êtres qui s'aiment. Je ressens leur histoire comme si je la vivais. La terre s'est transformée en une grande prairie. Pleine de fleurs. Toutes très belles. Et pas une seule vénéneuse. Le venin, il est chez elle, un mari, froid comme un glacier. Tu as de beaux sentiments, mais tu les montres très rarement. Thank you.
Allô? C'est moi. Sandra. Il m'a battu, j'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai tellement eu peur. Qu'est-ce que tu dis? Je vous en prie, monsieur vous attend. Entrez, je vous en prie. Où en est-on? Où est votre rapport? Alors, où sont les documents? Je veux les voir. N'oubliez pas de mentionner le joueur de tennis. Racontez-moi tout, mais évitez les mensonges. Vous avez accepté un contrat, mais vous ne l'avez pas rempli. Alors, pourquoi? Vous me devez une explication. Qu'est-ce que je peux dire? De toute façon, vous ne pourriez pas comprendre. Moi seul peux juger si je comprends ou non. D'accord. Votre femme est une femme remarquable. Cela tient peut-être au fait que j'ai une opinion très particulière des femmes. Mais en général, les femmes ont un comportement qui ne permet pas de les trouver intéressantes. Votre femme, je la trouve fascinante. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire contre les femmes qui me fascinent. Madame Sorgue. Madame Sorgue, allez chercher ma femme. Bien, vous allez voir la femme qui vous fascine autant. Votre mari veut vous voir. Vous pouvez vous lever? Attendez, je vais vous aider. Merci, Madame Sorgue. Je t'en prie, descends. Alors, vous la trouvez toujours aussi fascinante? La femme qui a trompé son mari. C'est lamentable. Ne joue pas la malade. Lève-toi et lave-toi. Le plus positif dans tout ça, c'est que tu ne feras plus de bêtises. Vous êtes déjà là? Oui, Madame Sorgue. Je suis un peu en avance. Allons, on déjeune? Oui, oui, je vais m'en occuper. Dans 2 minutes. Ma femme n'est pas descendue pour le petit déjeuner? Elle ne veut pas qu'on la dérange. Dites-lui que je lui interdis de quitter la maison. Je le lui dirai. Laissez, j'y vais.
Monsieur Hood. Monsieur Hood. Mes chers. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard? Bon, enfin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air toute retournée. On vient de lui tirer dessus. Il venait de me dire, laissez, je vais ouvrir. Et puis j'ai entendu les coups de feu. Est-ce que Monsieur Rhodes attendait quelqu'un? Oui, son chauffeur. Il vient tous les matins. Mais il est arrivé après, quand... Enfin, après qu'on lui ait tiré dessus. Lorsque vous êtes arrivé, la porte était-elle ouverte? Oui, elle était ouverte. Et vous, vous êtes sorti? Oui, mais... Je n'ai vu personne. Excusez-moi, je suis trop bouleversé pour répondre à vos questions. Moi non plus, je n'ai rien vu. Pourtant, j'étais garé devant, mais je n'ai rien vu. J'ai vu que la porte était ouverte. Je nous croyais en retard, alors je n'étais pas très rassuré. Il détestait que j'arrive en retard. Madame Zorka, qui sont ces messieurs? Oh mon Dieu, mais qui est cette femme? C'est Madame Rhodes. Qui a bien pu l'arranger de la sorte? C'est son mari qui l'a battu. Madame Rhodes, votre mari a été tué. Elle peut le voir? J'étais à la cuisine quand on a sonné à la porte. Je voulais aller ouvrir, mais votre mari y est allé lui-même. Et puis j'ai entendu les coups de feu. Il faut que je vous parle. Je vous en prie. Oui, Madame Song m'a expliqué pourquoi votre mari vous a battu. Il avait engagé un détective privé afin de vous espionner. C'est bien ça? Vous comprenez ce que je vous dis? Bien. Bien. Avait-il une raison de vous faire suivre? Je vais être un peu plus précis. Est-ce que vous le trompiez? Madame Song m'a expliqué qu'hier après-midi, votre mari et vous avez eu une violente dispute. Votre mari vous reprochait d'avoir un amant. Ensuite, il s'est énervé, il s'est mis à vous rouer de coups. Plus tard, le détective privé est arrivé chez vous. Madame Song m'a dit que vous aviez téléphoné. Oui, c'est ça, vous avez téléphoné. Bien. Est-ce que vous pouvez me dire à qui vous avez téléphoné? Est-ce que, comme je le pense, vous avez appelé votre amant pour lui dire que votre mari vous avait battu? C'est bien ça, j'ai raison. Est-ce que... Voudriez-vous nous donner son nom et son adresse? Stéphane, nous avons les documents avec le nom du détective privé. Bonjour. Bonjour. Nous voudrions voir Monsieur Lipper. Mon fils n'est pas là pour l'instant. Est-ce que nous pouvons entrer? Police criminelle.
Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci. La police criminelle ? Mon fils travaille parfois avec la police, bien que les vrais policiers le considèrent un peu comme n'étant pas tout à fait l'un des leurs. Mais vous êtes de vrais policiers, n'est-ce pas ? Hein ? Oui, oui. Suivez-moi jusqu'à son bureau. Sa secrétaire pourra peut-être vous renseigner. Margaret, ce sont des messieurs de la police. Bonjour, j'espère qu'on ne vous dérange pas trop. Non, vous ne me dérangez pas. Vous voulez un café ? Non, merci. Je vais en faire. La plupart des gens disent non par correction, et lorsqu'ils l'ont goûté, ils n'en reviennent pas de le trouver aussi bon. Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas. Où est votre fils ? Où peut-on le joindre ? Vous voulez le joindre ? Il est sur la route tous les jours, du matin au soir, et parfois même la nuit. Margaret peut peut-être vous renseigner. Nous allons voir ça. Connaissez-vous le dossier Rhodes ? Oui, naturellement. Je le connais aussi. Mon fils m'a tout expliqué. Il devait épier les faits et gestes d'une femme. Une personne particulièrement gentille. Il a rompu son contrat hier soir. Hein ? Il a rompu son contrat ? Vous savez, c'est une histoire terriblement intéressante. Son client ne lui plaisait pas du tout. Quoi ? Son client ne lui plaisait pas du tout ? Et pour quelle raison ? Et comment est-ce qu'il a dit, Margaret ? Il nous a dit que cet homme était froid comme un glacier. Et les fleurs ne poussent pas sur un glacier. Montre les photos à ces messieurs. Merci. Mon fils trouve qu'ils vont bien ensemble. On voit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Qui est cet homme sur la photo ? Ces photos sont très réussies. Agent Slipper. Ah, c'est vous. Oui, deux messieurs de la police sont là. Ils veulent vous parler. Oui. Oui, c'est Monsieur Slipper. Inspecteur principal Derrick, police criminelle. Nous voudrions vous parler, Monsieur Slipper. Police criminelle ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? Un de vos clients a été assassiné tôt ce matin. Attendez une minute, je vais essayer de me garer, hein. Attendez. Un de mes clients a été assassiné ? Oui, Monsieur Rhodes. Monsieur Rhodes a été tué ce matin devant sa porte. Vous êtes là ? Vous êtes toujours là ? Oui, oui. J'attends seulement d'être bouleversé. Est-ce que vous l'êtes ? Non. Mais si vous voulez que nous parlions de mes sentiments, je vous dis où vous pouvez me trouver. Autant que vous sachiez tout de suite que j'ignore qui l'a tué. Essayez de vous remémorer la situation lors de votre visite chez Monsieur Rhodes. Madame Sorg m'a déjà donné des détails. Reprenons. Vous êtes debout dans la pièce à côté de Monsieur Rhodes. Soudain, sa femme descend l'escalier. Elle a subi des violences et elle a le visage couvert de bleu. Soudain, un sentiment de révolte s'éveille en vous. Vous vous retournez et dites à Monsieur Rhodes... Alors, que lui avez-vous dit exactement ? Je crois que j'ai dit « c'est lamentable ». Ensuite, vous êtes parti. Oui, je suis parti. Très en colère, je suppose. Oui, j'étais fou de rage. Ah. Et vous ne lui avez pas expliqué pourquoi vous vouliez rompre votre contrat ? Si, je lui ai dit... Je ne peux rien entreprendre contre une femme merveilleuse comme la vôtre. Maintenant, parlons de ce jeune homme que vous avez trouvé si sympathique. Oui, c'est vrai qu'il est sympathique. L'avez-vous rencontré hier en fin de soirée ? Oui, pour lui dire ce qui s'était passé. Mais il le savait déjà. Il lui avait déjà téléphoné. Où habite-t-il ? Je vous en prie, entrez. Merci. Que puis-je pour vous ? Où étiez-vous ce matin à 7h30 ? Vous savez, j'ai mal dormi cette nuit. Pour être franc, je n'ai pas fermé l'œil. Et tôt ce matin, à quelle heure ? Vers les 6h. J'ai appelé Monsieur Slipper. Je voulais qu'on parle de tout ça. Je ne pouvais pas laisser cet homme-là la torturer. Qu'a-t-on fait ensuite ? J'ai pris ma voiture et je suis venu ici. Nous sommes restés 2 heures à parler, tous les deux.
Donc, à l'heure du crime, vous étiez assis ici. Tous les deux. Oui, tous les deux. Dans ce cas, vous avez un alibi, tous les deux. C'est vrai, vous avez raison. Un alibi. Ils se procurent mutuellement un alibi. L'un des deux est le meurtrier, et celui qui n'a rien fait veut protéger l'autre. Il veut le couvrir. J'arrive chaque matin vers 8 heures. Non, Monsieur Lipper n'était pas là. Un instant, s'il vous plaît, je vous passe sa mère. Ici Anna Lipper. Oui, bonjour. Quand? Oh mon Dieu, quand était-ce? Assez tôt, je l'ai entendu se lever et partir. Il devait être 6 heures. Juste avant, j'ai entendu le téléphone sonner. J'ai pensé qu'il s'agissait sans doute d'une affaire urgente. Et... oui, bien entendu. Une déposition? Non, non, je n'ai rien contre. Oui, au revoir. Vous êtes curieuse de savoir où j'étais. Et où était ce pauvre garçon à l'heure où cette brute s'est retrouvée face à son meurtrier? Oh, la police doit faire ce qu'elle a à faire. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que l'un de vous deux s'en est pris à ce type qui avait frappé sa femme à mort? Je parie que non. Beaucoup d'hommes ont... comment appeler ça? Deux occupations favorites. Ils aiment leur femme à cause du plaisir qu'elle leur procure. Et ils les battent également pour éprouver du plaisir. Dieu est un homme. Et que se passerait-il si Dieu était une femme? Vous avez entendu ce qu'a dit votre mère? Oui, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Si Dieu était une femme... je crois que le monde aurait un autre visage. Dieu, l'homme, ce sont les coups. Dieu, la femme, elle ouvrirait les bras. Est-ce que quelqu'un a déjà songé à ça? Non, Margaret. Je sais que la police va me faire témoigner. Et plus j'y pense, plus je me demande si j'ai bien fait de leur mentir. J'ai dit que tu étais sortie de la maison à 6 heures. Je l'ai dit parce que tu me l'avais demandé. Mais est-ce que j'ai bien fait? Ce matin, je suis allée chercher Margaret. Et quand je suis rentrée, tu dormais encore. Je veux dire par là que si je disais la vérité à la police et que je leur avoue que tu t'es levée à 8 heures et non pas avant... Oui, et alors? Tu sais bien qu'ils se poseraient la question de savoir si tu n'es pas le meurtrier. Moi, je sais très bien que ce n'est pas toi. Maman, je n'ai pas d'alibi. Et ce garçon t'en procure un, c'est bien ça? Oui, et moi j'en fais autant. Nous sommes d'accord sur le fait que c'est mieux pour nous deux, pour chacun de nous, et plus précisément pour lui. Que dois-je faire maintenant? Signer la déposition et leur dire qu'après le coup de téléphone, je me suis habillé et je suis parti et qu'il était environ 6 heures du matin. Tu es un gentil garçon. Tu sais, pendant longtemps, je n'ai pas su qui tu étais, ce que tu pensais, ce que tu voulais. J'avais toujours l'impression... Je vais te donner un exemple... Tu étais comme une pièce de monnaie que l'on jette en l'air, qui tombe et qui se retourne. On ne sait jamais de quel côté elle va tomber. Maintenant, tu le sais? Oui. Aujourd'hui, je sais sur quelle face la pièce est tombée. Sur celle contre laquelle je n'ai rien à redire.
Et est-ce que tu as vu ce que j'ai accroché de ce côté? Vous, les jeunes gens, vous cachez toujours vos sentiments. Et pendant des années, on ne peut pas savoir si vous en avez. Toi, tu en as, et maintenant, je le sais. Tout va bien? Oui. C'est gentil de venir. La police est déjà passée chez toi? Oui. Il va falloir signer notre déposition. Tout ce qu'on leur a dit. On s'en sortira bien. On y va? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons parler à Madame Rhode. Je vais lui demander si elle veut vous recevoir. Attendez dehors. Laissez-moi entrer. Tu prépares tes bagages. Vous allez l'aider. Ah, vous êtes là. Comment se comporte-t-il? Comme des amis. Ça, c'est pas très bon. Alors, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que je dois répondre? J'ai appris que vous étiez allé chercher Madame Rhode chez elle. Où est-elle maintenant? Elle est chez moi. Pouvez-vous me dire si j'ai eu tort d'agir de la sorte? Eh bien, si vous êtes le meurtrier, éventualité que je n'ai pas le droit d'écarter, je vous trouve très imprudent. Dites-moi comment doit agir un meurtrier? Ou bien dites-moi plutôt comment agir quand on est innocent? Je n'ai tué personne. Et vous non plus, bien sûr. Vous le savez depuis le début. Nous étions ensemble à l'heure du crime. Nous parlions des hommes qui osent frapper leurs femmes et nous sommes du même avis. Ce ne sont que des porcs. Oui. Bien. Je vais vous demander de signer les deux dépositions. Et réfléchissez bien à ce que signifie le fait de signer une déposition. L'un de vous deux, au moins, devrait y réfléchir à deux fois. L'un de vous deux n'est pas clair. Je ne voudrais pas être à sa place. Vous pouvez partir. Il n'y a pas de doute. L'un de ces deux garçons est le meurtrier. L'un des deux protège l'autre. À ton avis, lequel a tué? Qui sait? L'étudiant, l'amant qui n'a pas pu supporter que l'on frappe sa petite amie. Ou bien est-ce le détective privé qui se lie d'amitié avec les personnes qu'il doit espionner? Je trouve que c'est un personnage intéressant. Pas de chance? J'ai déjà appris une chose dans ma vie. Chaque expérience mène toujours quelque part. Et je sais que la chance est une forme de patience. Ah oui, oui. C'est valable aussi pour les policiers. On va de l'autre côté? Si vous aviez été engagé par cet homme pour surveiller sa femme, quand avez-vous su exactement que Madame Rhode trompait son mari? Dès le premier jour. Quand était-ce? Il y a 10 jours. Ce n'était pas difficile, ils étaient tellement imprudents. Vous auriez pu le dire dès le premier jour à votre client, le contrat était rempli. Votre femme a un amant, mais vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Vous savez, pour moi aussi, c'est un peu bizarre. Je me disais, laisse-leur un peu de temps. J'en ai parlé un peu avec ma mère et je lui ai dit
que j'avais rencontré des jeunes gens chez qui ça existait encore. Le grand amour, le vrai. Ma mère a répondu, c'est impossible. L'amour est une chose toujours un peu louche. Et ce, pour la seule raison que les hommes ne sont pas capables d'aimer. Regarde autour de toi et tu verras que j'ai raison. C'est pour cette raison que vous avez attendu. Oui. J'ai rendu des rapports sans grand intérêt. Oui, mais juste pour voir où se trouvaient les limites d'un amour véritable et pur, soyons sérieux. Non, c'est la vérité. Un jour, ils ont remarqué que je les surveillais. Et ils sont venus vers vous pour parler. Oui. C'était à Starnberg. J'étais assis à la terrasse d'un restaurant. Et j'ai vu comment ils se retrouvaient. Ils étaient merveilleux. Il est venu vers moi, nous avons discuté. Et vous êtes devenus des amis. Oui. C'est un gentil garçon. Bien sûr, on sent son refus et sa répulsion à vivre dans un monde géré par les conservateurs. Seulement, c'est un gentil garçon. Il ferait des kilomètres pour trouver un ami. Je veux bien le croire, oui. Mais je veux bien croire également qu'il pourrait être capable d'aller trop loin. Bonjour. Ben, qu'est-ce que vous regardez? Et comment s'est passé ton rendez-vous au commissariat? Est-ce qu'il voulait juste parler? Oui, et il a été très gentil. Rien de bien concret. C'était un entretien de routine. Juste avant que je m'en aille, il m'a demandé pourquoi j'avais choisi ce métier. Ce métier? Oh, drôle de question. Pourquoi justement détective privé? Il m'a dit, est-ce que vous détestez les gens? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu que parfois j'avais des difficultés à les aimer, malgré ma bonne volonté. Je crois que je n'ai pas aimé mon dernier client. Absolument pas. Pas le moins du monde. Tu n'aurais pas dû le lui dire. La plupart des gens que tu côtoies dans ce travail ne valent rien. Non, pas tous. Mais je dois reconnaître que ça m'est parfois difficile lorsque j'écris ce que vous me dictez. Il m'arrive aussi de lire tes rapports. Et je n'ai aucune compassion pour ces gens que l'on ose appeler des êtres humains. Tu veux un café, mon chéri? Non, il faut que je téléphone. Oui, j'écoute. Derek est passé chez toi? Il vient de descendre de voiture. Comment ça s'est passé pour toi? Sans aucun problème. N'en reviens pas sur tes dires. Le plus dangereux, c'est qu'il est très gentil. Je serai vigilant. Je dois te laisser. Derek est chez lui. Ne t'inquiète pas. Il ne peut rien t'arriver. Nous savons que tu n'as rien fait. Écoute, maman. Tu as signé une déposition. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as dit. Si la police vient t'arrêter, je le ferai. Vous voulez me parler? Doit-elle rester là? Oui, pourquoi pas. Elle peut écouter ce que nous avons à nous dire. Là n'est pas le problème. Vous voyez, elle n'est pas très vaillante. Je l'ai amenée chez moi à cause de cela. Je ne parle pas de son état physique. Je veux parler de son équilibre. De son équilibre psychologique. Elle n'en a plus aucun et tout ce qui sera dit ici sera pour elle une nouvelle torture. Et vous ne voulez pas la lui imposer? Non, je m'y refuse. Désolé, mais elle restera ici. Cela ne l'aidera en rien de se retirer dans une autre pièce.
Ainsi, l'entente entre elle et son mari n'était pas des plus cordiales. Son mari n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique, nous le savons. Il la frappait et lui menait la vie dure. Alors, tout d'abord par révolte et puis par amour, vous avez décidé de supprimer cet homme. C'est pas un meurtre, c'est un homicide. Si vous avouez, vous obtiendrez les circonstances atténuantes. Les jurés comprendront que vous avez agi uniquement par amour. Et vous n'aurez aucune peine de prison. Votre vie pourra continuer sans tâche. C'est la seule solution que j'envisage pour vous deux. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas moi qui ai tué son mari. Vous devez me croire, je n'y suis pour rien. Je vous ai dit la vérité. J'étais... Nous étions tous les deux, Monsieur Lippert et moi, ici, en train de discuter à l'heure du crime. Nous étions ici. Ça suffit, je vous ai déjà tout raconté. Nous cherchions le moyen de la sortir des mains de ce taré. Afin qu'elle soit en sécurité, nous avions peur qu'il finisse par la tuer. Le meurtrier... Non, ce n'est pas moi. Tu ne viens pas manger? Margaret et moi, on t'attend. Je t'ai dit que j'attendais un coup de fil. Tu entendras le téléphone de la cuisine. Non, je préfère attendre ici. Allô? Je voulais te rassurer. Il est parti. Oui, ça a marché. J'ai maintenu ce que nous avons dit depuis le début. Nous étions ensemble à partir de 6 heures. J'arrive tout de suite. Salut. Bonjour. C'est un homme têtu, mais il est très gentil. Tu as bien fait de me prévenir. Bonjour. Bonjour. Je vous trouve meilleure mine. C'est pas encore parfait, mais ça va. Croyez-moi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il est resté longtemps? 1 heure. Et il t'a pas fait flancher? Je ne risquais rien. Il voulait te faire avouer le meurtre? Oui, bien sûr. J'ai prié pour que tu aies la force de lutter. Mais je n'avais aucun problème. Ça m'a aidé de savoir que j'étais innocent. Tu es innocent? Je n'ai pas tué cet homme. Attends un peu. C'est bien d'en être convaincu, ça doit t'aider. Il a réussi à te croire lorsque tu lui as raconté que tu n'avais pas tué Rhoda. Bien entendu. Je viens de te le dire, je n'avais aucune crainte à avoir. Aucune crainte? Non. Pourquoi dis-tu ça? Tu avais peur que je te dénonce? Me dénoncer? Moi? Fais-moi confiance, je n'ai pas l'intention de te trahir. Qu'est-ce que tu dis? Pas de cinéma entre nous. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. C'est bien toi qui l'as tué, non? Tu prétends que c'est moi qui l'ai tué? Mais non, moi je suis innocent. Mais qu'est-ce que tu as? C'est toi qui l'as tué, je le sais. Et je te le répète, je ne dirai jamais rien à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. J'y comprends rien. Je ne sais plus ce qui se passe. Tu ne sais plus lequel est l'assassin? Je sais qu'ils mentent tous les deux. Ils sont là devant moi, ils racontent, mais je sais qu'ils mentent. Seulement, aucun des deux ne me donne le sentiment que je parle avec un meurtrier. Maman? Maman? Margaret? Où vous cachez-vous? Où étiez-vous passé? Ah, surpris, non?
Non, non, je cherche ma mère et ma secrétaire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de débarquer ici sans prévenir. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il y a deux ou trois petites choses que je ne saisis pas. Oui, il se passe des choses bizarres. Pour moi aussi. Comme vous le voyez. Vous savez, ma mère participe un peu à mon travail. Margaret aussi, bien sûr. Elles sont au courant de tout ce que je fais. Elles passent leur journée ici, assises devant cette table. Elles se sont endurcies en ce qui concerne les hommes violents. Mais le soir où M. Rhodes m'a montré sa femme défigurée, j'étais tout retourné. Alors elles sont sorties de leur gond. Surtout quand j'ai dit que ce type méritait la mort. Attendez un peu. Autrefois, Margaret a été mariée à un policier. Elle possède un pistolet. Si par hasard, elle devait... Suivez-moi dans mon bureau. Elle le range là. Il n'est plus dans le tiroir. Non. Où sont votre mère et votre secrétaire, vous le savez? Non, j'ignore où elles sont. D'habitude, elles me laissent un message. Il y en a un par terre. C'est un carton d'archives. Attendez un peu. Ça concerne une affaire dans le style de celle de Rhodes. Un type qui a persécuté sa femme jusqu'à ce qu'elle ait un infarctus. Elle en est morte. L'adresse est soulignée, mais pas par moi. C'est Margaret qui a dû le faire. Elles sont devenues folles. Ma mère va chercher Margaret tous les matins. À 7 heures précises. À 8 heures, elles sont là. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, oui. Elles ont très bien pu commettre ce meurtre à 7h30. Et elles sont probablement en train de commettre le suivant. Il s'appelle Demol. Tout ce qu'il y a de bon dans un homme lui est inconnu. Enfin, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Éliminer tous les hommes violents? C'est ici. Voyons, mon garçon, cet homme n'a eu que ce qu'il méritait. C'est bien fait pour lui. Et pour l'autre également. Lors de sa déposition, elle a dit : si Dieu était une femme. Une pensée intéressante. Qu'est-ce que tu en dis ?